Pacifique. 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 Et ces visuels clés sont fortement ancrés dans notre mémoire collective, mais la plupart du temps d'ailleurs, c'est un énorme coup de bol. Prenez par exemple la marque, l'empreinte du pied qui s'évapore dans le fameux film Pacifique, vous vous souvenez? Bon, ça, vous allez dire, idée géniale. Pas du tout, pas du tout. C'est un plan qui a été tourné au dernier moment, alors qu'il n'était même pas prévu dans le script, vous voyez. En 1984, Ricard sort ce film pour Pacifique. L'annonceur n'avait pas prévu que cette empreinte fugace, trouvaille du réalisateur, laisserait une trace indélébile dans l'esprit des téléspectateurs. Du coup, au deuxième film, on en remet une couche. Généralement, c'est quand même plus le hasard qui fait que le visuel clé arrive. C'est pas l'annonceur qui nous dit « Ah, n'oubliez pas, dans mon film, il faudra me mettre un visuel clé ». Ça n'arrive jamais comme ça. C'est qu'on fait un film, il y a des hasards, et puis après, on commence à post-rationaliser ce qu'on a fait.